J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tableau menu semaine. Je vous ai trouvé encore de super belles recettes pour cette semaine. Donc, si vous ne savez pas quoi faire, si vous n'avez pas envie de faire le menu semaine et ni la liste des courses, eh bien vous tombez bien parce que moi, c'est tout est préparé. Petit déjeuner, déjeuner, collation, dîner. Vous avez toutes les recettes, le lien des recettes pour aller chez les blogueuses en question. Comme ça, vous avez les ingrédients et comment faire la recette. Moi, je vous montre là, ici, les photos. Comme ça, vous allez voir, ça va vous donner l'eau à la bouche. Et vous n'avez vraiment plus rien à faire parce que vous avez la liste des courses que je vous ai mis sur la deuxième page. Donc oui, il y a des personnes qui m'ont dit « ça me prend beaucoup de temps ». Oui, ça me prend énormément de temps. Mais je le fais pour vous, c'est gratuit, vous le retrouverez ce tableau, donc je le redis, à 17h sur mon groupe Facebook. Vous avez le lien qui se situe juste en dessous, donc vous appuyez dessus et hop, vous arrivez sur mon groupe. Et là, je mettrai le fichier, donc vous les avez depuis plus de 2 ans que je fais ce tableau. Et oui, plus de 2 ans. Donc, vous pouvez retrouver aussi d'autres tableaux. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Tout ça, c'est gratuit et je le fais avec plaisir pour vraiment vous booster. Et j'ai vu des belles pertes de poids et ça, ça fait plaisir. Autre chose, parce que vous savez, et pour celles qui sont et ceux qui sont nouveaux, eh bien, voilà, je me présente, je suis Angélique et je suis coach aussi également WW. Donc, si vous voulez avoir de l'aide ou si vous avez un abonnement avec atelier, n'oubliez pas, donc je peux être votre coach parce qu'on fait maintenant aussi les ateliers virtuels. Donc, vous me retrouvez le mardi à 9h30, donc c'est Perpignan. Le mardi toujours à 17h45 en Gironde, vous avez le mercredi 18h30, là c'est l'Aude, le samedi aussi à 10h30 et là nous sommes dans l'Aude également. Vous avez aussi les ateliers live cuisine, ça c'est gratuit pour tous les membres, donc pour ceux qui ont que le digital ou pour ceux qui ont le digital plus l'atelier. Et ça, c'est top parce que sur les ateliers live cuisine, on fait en direct des plats. Voilà. Donc, soit vous le faites en même temps que nous, donc un peu, vous savez, comme la célèbre émission avec Cyril Lignac. Donc, vous pouvez le faire en live avec nous. Vous n'êtes pas obligé de mettre la vidéo si vous n'avez pas envie. Mais c'est sympa de voir en même temps nos membres faire les recettes. Ça, c'est top. Ou soit vous notez, mais vous retrouvez de toute façon tout ce que je viens de vous dire, que ce soit les ateliers que je fais ou l'atelier live cuisine, c'est dans le groupe, c'est Communauté Connect. Et ensuite, vous allez dans groupe, vous faites voir groupe, et là, vous avez tous les groupes. Donc, vous recherchez le groupe que vous souhaitez. Et là, vous avez le lien pour accéder, donc via notre application Zoom qu'il faut absolument télécharger pour pouvoir se connecter virtuellement. Donc ça, c'est top. Bon, revenons à nos moutons, revenons à notre tableau menu semaine qui est très très bien. Là, j'ai mis en noir et blanc parce que j'ai plus de couleurs. Allez, c'est parti, on commence par le déjeuner. Muffins façon œuf au nid. Là, nous sommes sur la cuisine de Chanchan. Delphine Cuisine Bio, ça va être un rouleau de printemps pour 6 rouleaux. Sur la cuisine de Chanchan, ça va être un pain perdu salé. Dans la cuisine des Wet Wet, ça va être couronne de jambon, poireaux et comté pour 2 personnes. Passons chez Rachel Cuisine avec patates douces farcies façon chili végétarien. Les petits plaisirs de Doro, ça va être salade de pommes de terre, petits pois fèves pour 3 personnes. Terminons chez Vanda avec pommes de terre farcies façon pizza. Voilà, trouver des choses originales comme ça et simples. Surtout, c'est des recettes qui sont simples et qui sont rapides à faire. Hein, donc voilà, et vraiment, on peut le faire vraiment très vite. Et vous pouvez même le faire avant si vous souhaitez. Vous faites l'option batch cooking et vous pouvez le faire avant. Vous prenez un week-end et vous faites tous les repas et vous pouvez congeler ou mettre dans le frigo une partie et congeler le reste. Et oui, ça, vous pouvez le faire aussi. Maintenant, eh bien, la collation. Tout fait au Mirabelle pour 8 personnes. Là, nous sommes chez Vanda. Continuons chez Vanda avec un clafoutis pomme kiwi pour 6 parts.
Les petites idées culinaires de Chris & Co, ça va être un gâteau au citron et aux framboises pour 8 parts. Toujours chez Chris & Co, ça va être un moelleux noisette et pépites de chocolat pour 8 parts. Chez Rachel Cuisine, ça va être un banana bread léger au chocolat pour 10 parts. Toujours chez Rachel Cuisine, ça va être un croque-tablette banane chocolat. Et oui, je suis fan de chocolat, vous l'avez vu, sur 16 parts. Et enfin, terminons chez Vanda. Voilà, quelque chose de simple, enfin de très bien à faire aussi avec les enfants, un flambi maison. Et ben voilà, ça c'est top ça, hein, pour 4 parts. Passons maintenant au dîner. Bread quichoton, là nous sommes chez Chanchan. Chez Chris & Co, ça va être une tarte avoine, thon et tomate cerise pour 6 personnes. Chez Chanchan, samoussa chèvre miel. Chez Rachel Cuisine, tortilla légère, poireaux, pommes de terre, fromage. Toujours chez Rachel Cuisine, ça va être une quiche sans pâte ou muffins, poireaux, saumon fumé pour 8 muffins. Chez Rachel Cuisine, toujours pancakes salés, saumon, concombre pour 2 pancakes sur 4 pancakes. Et enfin, terminons chez Chanchan avec un croque omelette. Et oui, terminons par quelque chose d'original et terminons bien le dimanche. Je sais que dans le Nord, vous êtes fan de tartines. Je sais. Donc voilà, donc j'essaye vraiment de vous trouver aussi voilà, pour ceux, pour celles et ceux qui sont plus fans de tartines le dimanche. Pour le vendredi où c'est plus quand même le poisson. D'ailleurs, c'est très important de consommer du poisson sur la semaine, dont un poisson gras comme le saumon, le hareng, le thon, les sardines. Ça, c'est top aussi parce que c'est bourré de vitamines et comme les oméga 3. Et ça, c'est top, c'est de la bonne matière grasse insaturée et ça, on en a besoin. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. C'est rectangle rouge juste en dessous, vous avez juste à appuyer dessus et hop, vous êtes abonné, c'est gratuit et moi ça me fait extrêmement plaisir. Retrouvez-moi aussi si vous avez envie sur Instagram, c'est ange14 14 14 14, et si vous voulez, si vous êtes sur Connect, eh bien c'est le même nom, c'est ange14 14 14 14, et là vous pouvez aussi me retrouver également ici. Donc voilà, au niveau des ateliers live cuisine, je vous donne une petite astuce en plus. Vous avez un code promo, oui je vous le remets ici, vous le gardez toujours avec vous, c'est cook, cook-angde, et là vous avez toujours un avantage, un cadeau, et donc ça c'est top. Comme cette semaine c'était 10% sur la poêle Tefal, donc ça c'est top, sur le shop en ligne. Vous avez eu aussi le livre de recettes Babette de Rosière qui a été gratuit, il y a plein de petites choses comme ça en code avantage, et donc ça c'est top. Donc vous le gardez toujours précieusement avec vous, vous le mettez en capture d'écran pour vous, et voilà, et de toute façon je vous le mets aussi également sur Instagram, le code avantage, est-ce que vous pouvez avoir chaque semaine, et sur mon groupe Facebook. Donc voilà, si c'est pas génial ça, hein, je vous aide beaucoup de partout, donc ça c'est top, et moi je suis extrêmement fière de vous avoir comme communauté, parce que vraiment vous êtes vraiment une communauté au top, et eh bien moi je repars aussi sur les objectifs, hein, qu'on va faire sur Instagram. Je vais peut-être vous montrer aussi ce que je fais sur la journée. Je vais peut-être vous le montrer aussi sur YouTube, des espèces comme vlog. Est-ce que ça vous dirait des vlogs que je fais, par exemple, de montrer un peu ma journée, de ce que je fais du matin au soir, que ça soit au niveau recette, au niveau du sport, au niveau, enfin voilà, comment j'organise ma vie aussi. Dites-le-moi, ça me ferait extrêmement plaisir de voir aussi en commentaire si ça vous intéresserait ou pas du tout. Donc voilà. En tout cas, je vous embrasse très fort. Passez une très belle journée ou une très belle soirée et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye!